Salut, nouveau vlog mardi. Mardi bien entamé, enfin bien entamé, non, il est 9h30. Je me suis levée un petit peu plus tard que d'habitude parce que couché plus tard que d'habitude. Eric dort encore parce que figurez-vous que c'était la sortie, je crois, de Disney, je sais pas comment ça s'appelle, à minuit hier soir. Et bah forcément, il pouvait voir Star Wars, des nouvelles versions. Ça y est, les courses ont été faites, ce qui veut dire qu'on va enfin pouvoir déjeuner, normalement. J'ai hâte, c'est cool. Je vous montrerai après un petit peu ce qu'on a acheté aussi. Me voilà prête, même si on dirait pas, j'ai mis mon pull pilou pilou. Enfin, c'est un truc de pyjama, hein, plus ou moins. Aujourd'hui, j'ai une grosse activité. Accrochez-vous. Je dois aller dans le coffre de ma voiture. Ma voiture, il y a un peu plus loin parce que je suis allée faire les courses comme je vous disais. Et j'ai oublié hier de prendre la litière. J'en ai besoin. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'attestation, même si, moi, j'ai beaucoup de patrouilles, hein, de gendarmes qui passent et qui m'arrêtent. Mais bon, après, c'est une très bonne chose. Mais bon, je pense que là, ils comprendront. Je veux également détacher mon fameux chemisier blanc si vous m'avez suivi et je vais faire une de vos astuces, on va le faire ensemble. Je vais faire tout doucement. J'ai pas de détachant, par contre j'ai de. C'est pas de l'oxygéné, c'est de l'alcool. Bon, on va le faire de toute façon tout petit petit. C'est un chemisier avec des trous déjà à la base de dentelle. Donc bon, même si ça l'abîme, ça se verra pas beaucoup, mais je préfère tester parce que la tache est toujours là. J'ai autre chose à faire. Manger déjà, il est 13h passé, j'ai faim. Et il y avait autre chose, mais je ne sais pas. Je vais retrouver. J'ai une tache là, vous la voyez ou pas? Ça me gêne. Bon, je descends. Petite vue générale sur ce qui n'a pas été rangé. Je vais le faire parce que Eric dit non, je m'en occupe, mais bon, ça va rester là trop longtemps. Ça, c'est la lessive que j'ai achetée hier. Je vous montrerai ce que j'ai pris, mais pour l'instant, vraiment, j'ai trop trop faim. Ce midi, ça va être le retour de la saucisse avec. Ah, j'en sais rien. Bon, en tout cas, ça va être saucisse déjà. Comment ça va aujourd'hui? Ah oui. J'en ai pas parlé ici, j'en ai parlé sur Insta. Mon bébé, il était un peu malade, il avait vomi 3 fois. C'était hier matin, ouais. Donc bon, ça va beaucoup mieux. Il avait très certainement mangé un truc qu'il n'aurait pas dû, ou alors les croquettes, peut-être qu'il a mangé trop vite. Mais ouais, non, pauvre bébé, j'aime pas quand il est très 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 rarement malade. C'est pas comme sa mère, c'est ça? Bien que je ne sois pas souvent malade, c'est pas que je sois malade, c'est que je. Oh, et oh, c'est quoi? On n'en parle pas. Voici mon assiette pour ce midi. Un œuf, deux saucisses. Il y en avait une troisième, je peux. Non, ça fera trop. Et du chabon. Voilà, c'est pire comme ça. Je mange bébé, moi. Tu regardais quoi? Iron Man. Ah, ouais. Ah oui, le 1 en 4K, tu m'as dit. Oui. Sur Disney+. Ah oui, c'est ça, j'en parlais, c'est Disney+. C'est 7 euros quand même. Hein. Pardon? C'est 7 euros par mois quand même. Hein. Parce que. Non, mais il faut le dire. On fait un calcul. 7 euros par mois, plus Netflix, plus OCS. On le paye OCS ou c'est sur notre abonnement? Sur un abonnement, je crois qu'on paye une petite somme. Ah, quand même, tu vois, tu cumules. Bon, après, là, c'est le confinement, donc voilà. Un Blu-ray en 4K, c'est approximativement 28, 20, non, 24 allez, euros. disons 28 euros, ce qui te fait 4 mois d'abonnement. Étant donné que là, au bout de 3 films, tu as 1 an Bien d'abonnement. sûr. Et que là, j'ai accès à bah, tous les films Marvel jusqu'à 2015 à peu près. Et tous les films Star Wars en 4K. Parce que j'allais dire, tu les as déjà tous vus. Le truc, c'est que là, c'est en 4K. C'est le Non, plaisir de les revoir. c'est des films que je regarde tout le temps. D'accord. Les Oui, c'est Star vrai. Wars et les Marvel, je les regarde tout le temps. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, tu pourras. Il faudra qu'on déblaye là. Il faudra qu'on déblaye le plan de travail, qu'on range, qu'on finisse de ranger. Oui, Bon, chef. sur ce. Eh, attends, mais il y a autre chose. Bien, patron. J'entendais parler de cette fameuse eau en ce moment qui était hyper chlorée, donc ils avaient rajouté et tout. Moi, je ne m'en rendais pas compte parce que bah, je bois Source. que de l'eau. Je bois que de l'eau Source. bouteille. Source. Bah, attends. Et donc, bah, je m'en étais pas rendu compte jusqu'au moment où ce matin, pourquoi j'ai bu de l'eau du robinet. Je ne sais pas pourquoi. Ah là là, j'avais l'impression de boire l'eau de la piscine, un truc de fou, de fou. Donc sur l'état du corps, moi je m'en suis pas rendu compte, peut-être parce que j'ai pas une peau atopique. Tu t'en es rendu compte toi qu'elle a une peau atopique ou pas? Qu'elle était plus chlorée en te Faut jamais lavant? faire confiance à ses sens. Tout ce qu'on voit nous trompe. Ok, bon, en tout cas, le goût là, il m'a pas trompé, c'était chloré de ouf. Donc Ça, on sait depuis Galilée. voyez, je parle d'un truc et ça finit en. Oh, rien du tout, bébé.
Ce qui veut dire que tu ne sais pas si l'eau sent plus le chlore ou si c'est toi qui considères que l'eau sent plus le chlore. Et tu ne sais pas non plus si y a du chlore dans l'eau. Ok, bon, bah, j'ai eu la sensation, très forte sensation que l'eau était extrêmement chlorée. Ah, voilà. Mais vraiment. C'est différent d'avoir la sensation d'eau et que l'eau soit plus chlorée. D'accord. Bah, faut toujours sourcer ses faits. Par exemple, tu dis que l'eau est plus chlorée. D'où ça sort? De ma bouche. Avant que j'oublie. Le bruit, c'est le four qui continue, enfin qui est en train de se refroidir. Voilà, les courses d'hier, donc il n'y avait plus. Il n'y avait plus de quoi acheter tout ce qui est boîte, tout ça. Les pâtes, pareil, il n'y en avait plus, donc il nous reste. Les sachets sont quasiment vides, hein. Faut pas croire. Le riz, c'est vraiment des fonds. Il n'y a que les penne irigatées qui sont complètes. Bon, il reste des lentilles, corail. Donc déjà, pour ce placard, c'est pas terrible. Là, par contre, on s'est rattrapé en termes de choses qui font du bien. Les petites billes, bon, j'ai tapé dedans hier, déjà hier, il y a eu ça, la même chose deux fois. Des chips de légumes, pareil, il n'y avait vraiment pas énormément de choix. Ça parce que, comme je vous dis, ça fait office de petit-déj, ça a déjà pris une claque hein, de ce matin. Et puis, Eric, c'est ce qu'il prend au repas, moi je mange pas de pain, rarement. Pas énormément de choses, hein. Des oignons, sinon il n'y avait pas de légumes, il n'y avait rien d'autre. J'ai fait mon plein d'eau, hein, de l'effar, Eric a fait son plein de coca. Le frigo est quasi vide, hein. Ah, mais je vous dis, il n'y avait pas énormément de choses, mais tout ce qu'on a commandé est arrivé. Des œufs, évidemment, la base, du beurre, là on a fait le plein. Chavroux x3, du chèvre, du gruyère râpé, saucisse. J'ai trouvé ça, donc bio carotte, village. On a pris des pizzas, on en a mangé hier déjà. Poisson pané et des petites glaces assez réconfortantes. Et ici, ensuite, sopalin, ceci, et puis tout ce qui est gel douche, ce genre de truc que j'ai déjà monté. Donc, il n'y a pas énormément de choses, on est d'accord. Et là, on a voulu refaire pour anticiper une commande. Donc, ils ont dit que ça serait dispo vendredi, sachant qu'on est mardi. Mais c'est, tu peux pas parce qu'il y a trop de monde en même temps. Pour le sopalin, ça va tellement vite. Des boîtes, ce genre de choses, voir s'il y a un réapprovisionnement parce que très vite ça va être encore la dèche. C'est pour tout le monde pareil, hein, j'imagine, mais bon, je m'attendais à ce qu'il y ait plus. 130 euros quand même, 130. Je vous ai oublié de vous dire, je suis en train de faire ma petite vidéo pour Insta. C'est une danse cette fois-ci. J'ai pas eu le temps d'apprendre le texte pour une petite comédie et ouais, j'ai chaud là parce que danser avec ça, mais ça fait du bien. Ça y est, c'est terminé. J'entends Eric en train de faire le rangement de la cuisine. Moi, après, je vais faire l'aspi. Parce que j'avais pas terminé l'autre fois, il fallait qu'il soit en charge. Bon, je me suis changée et j'ai surtout été prise d'une émotion, d'où ma tête. J'ai reçu une photo d'une abonnée qui travaille très certainement dans un EHPAD et qui a en fait amené un petit lapin. Et elle m'a envoyé une photo d'une des résidentes. Alors, on voit pas sa tête, évidemment, on voit que sa main, ses mains qui servent ce petit lapin. Et je suis partie dans une émotion, j'étais en pleurs. Et tout ce que cette image renvoie surtout, et ça m'a... J'étais en larmes, j'arrivais pas à m'arrêter, ça fait au moins un quart d'heure. Voilà, merci à toi, vraiment, merci. Eric est en train de me parler, il m'a vu, j'étais en larmes, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a 10 minutes, t'étais en train de danser, t'avais la pêche, et là tu pleures. Je vais lui expliquer. Je vais me repoudrer et je vais descendre chercher la litière. Alors, les petites nouvelles du front. Je suis sortie pour chercher la litière qui était dans le coffre et elle n'y était pas. Ce qui veut dire que moi, j'ai rien vérifié. Hein, ils m'ont mis, je suis partie, quoi. Et pourtant, on a regardé sur la facture, il y avait marqué litière. Donc, soit ça a été recrédité, mais j'ai pas vu. Le problème qui se pose, c'est qu'ils n'ont pas de litière. Et là, ça craint. J'ai donc commencé à nettoyer sa litière comme j'ai pu, avec du papier toilette, en moment, voilà. Et les toilettes se sont bouchées. Résultat, Eric n'était pas du tout content. On s'est pris la tête. Là, il est fâché. Ça l'a coupé dans son élan. Il était en train de tout trier, tout ranger. Il a tout laissé en plan. Oh, c'est pénible. Comment je vais faire pour trouver de la litière? Ah, le voilà. T'as réussi pour les toilettes ou pas? Oui. C'est vrai? Mais il faut plus vider. Il faut pas. Mais manger. C'est exceptionnel. C'est parce que nous n'avons pas de litière. Tu le sais très bien. Oui, mais ça change rien. Bah ouais, j'ai fait. Voilà. Bon, bah. Je viens de me poser pour faire ma séance de méditation et après avoir fait la spi dans les escaliers. Et regardez qui vient de me rejoindre. Toi, tu t'apprêtes à faire dodo. Mais maman, elle fait pas dodo, elle fait juste la méditation. Ça dure 15 minutes et après,
vélo elliptique. Je savais bien que j'avais oublié un truc, le fameux chemisier, vous voyez. L'attache est toujours là, bah bon, après l'avoir lavé. Donc, la seule chose que j'ai, je n'ai que ça. Que ça. Donc, on va tester avec un petit coton-tige. Je l'ai mis où? Voilà, avec un coton-tige. Ça, c'est mon truc quand je fais des DIY. C'est pas sale, c'est sec, mais bon. Et on va essayer petit à petit, je vais voir. Bon, très clairement, on va attendre le déconfinement. J'achèterai ce qu'il faut, un détachant ou bien autre chose. Parce que là, ça n'a pas l'air de marcher des masses. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même testé. Je vais enchaîner sur un étendage de linge, hein, pour changer. Et après, bah, je préparerai à manger. J'ai retrouvé là des masques que je mets le soir pour dormir. Je pense que ça va être. Je vais pouvoir créer un truc. Notamment avec ces élastiques qui vont être peut-être plus confort parce que moi ça tient pas. Faut que je réfléchisse, mais ça peut être une idée. Il est 1h moins 5. Oh, on n'a pas vu l'heure. On a regardé, comment ça s'appelle? La série Star Wars sur Disney. Disney Prime, franchement sympa. Et puis on a passé un petit moment, c'était cool. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à après-demain. Et puis si vous voulez suivre un petit peu le reste de mon quotidien. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je vous fais un gros gros bisou. Salut!